Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de Ace Combat Universe Strange Real. Et on va donc parler des personnages de Ace Combat 2. On va donc débuter tout de suite avec Phoenix, alias Scarface One, qui était un célèbre pilote mercenaire ayant servi sur divers champs de bataille du Zéa. Il faisait partie de l'escadron Scarface sous l'indicatif d'appel Scarface One. Phoenix avait la réputation d'être un soldat mercenaire sur les champs de bataille du monde entier. En 1995, il a été engagé par la FCU pour combattre un groupe terroriste qui avait renversé le gouvernement de Skooly Island, une région du sud du Zéa. À la tête d'un groupe de pilotes mercenaires, il a dirigé l'escadron Scarface dans des opérations anti-insurrectionnelles à travers le pays, détruisant finalement leur quartier général et la forteresse volante qui, dans une tentative désespérée, tentait de reprendre le pouvoir. Après les opérations à Skooly Island, l'escadron Scarface s'est dissous, et Phoenix s'est retiré du front et s'est installé à Uzea. Trois ans plus tard, en 1998, il a repris du service après avoir été embauché par le commandement unifié après le déclenchement de la rébellion Uzea, où il a été chargé de les aider à lutter contre les forces armées du continent opposées à la Fédération Océane. Après, je n'ai pas réussi à trouver qu'est-ce qu'il est devenu, il n'y a pas plus d'infos sur ce personnage. Phoenix fait également son apparition dans un autre jeu de la série. Dans Ace Combat X Skies of Deception, Phoenix apparaît dans la mission spéciale Opération X en tant que l'un des anciens As de Ace Combat 2 avec un XFR-27 aux côtés de la DF-01ZOE. Le camouflage de Phoenix apparaît également comme la couleur spéciale 2 du Typhoon. Dans Ace Combat 6, plusieurs avions pouvaient être équipés du camouflage ou de l'emblème de Scarface One. Le FA-18F Super Hornet, le Mirage 2005 et le F-16C Fighting Falcon ne pouvaient porter que l'emblème et le numéro de Scarface One, tandis que le Su-33 Flanker D pouvait bénéficier du camouflage. Il fait également une apparition dans le jeu Ace Combat Join Assault durant la mission Ace of Aces, où il apparaît en tant que le 100e et dernier avion ennemi à bord d'un Typhoon. Il est très agressif et adopte les manœuvres de Miloš Šuličmani de l'escadron Varkolak. Le camouflage Scarface de Air Combat est également disponible pour le Typhoon, la 6E Intruder et le MiG-21-93 Fishbed. Dans Ace Combat Infinity, le camouflage fit son apparition durant la célébration des 20 ans de la série Ace Combat. Les camouflages étaient débloquables via divers événements et pour certains avions. Maintenant, on va donc parler de John Herbert Slash. John Herbert Slash, né le 4 juillet 1964, également connu sous le nom de John Harvard dans des jeux précédents, était un pilote mercenaire qui s'est battu lors du coup d'état de Uzea. Il a signé avec l'escadron Scarface lorsque l'opération Fighters Honor est entrée en vigueur et a accompagné Phoenix dans certaines missions. Depuis ses débuts en tant que recrue, il a opéré sous le commandement d'Olsen, acquérant une vaste expérience. Pendant le coup d'état d'Uzea, Herbert fut nommé numéro 2 de l'escadron Scarface, après l'opération Anchor Head Freedom. Il a assisté Phoenix dans de nombreuses opérations. Peu de temps après la fin de la guerre, il quitte les forces alliées d'Uzea et retourne dans son lieu de naissance au centre d'Uzea. On lui a ensuite offert un poste dans l'escadron de garde de Stone Age. Lors de son entretien pour le poste, il était occupé à discuter avec l'équipe de maintenance. Il prenait également des repas avec le docteur John Tomic chaque fois qu'ils étaient en service de jour. Slash excelle en tant que pilote, mais manque de compétences en tant que leader et préfère les rôles de soutien. Ses loisirs sont le bricolage des voitures, où il a converti un hangar vide en son propre garage personnel. Il est également implicite qu'il est coureur de jupons selon certains dialogues dans le jeu. Donc, certaines parties que j'utilisais pour John Herbert étaient tirées évidemment de Assault Horizon Legacy, où il y a quand même plus de détails sur les personnages. On va donc maintenant parler du dernier personnage de Ace Combat 2, qui est donc Kay Nagase Edge. Née le 31 mars 1977, elle était pilote dans l'escadron Scarface lors du coup d'état d'Uzea où elle a pu voler aux côtés des Phoenix dans certaines missions en tant que numéro 2. Elle rejoint l'escadron Scarface dans l'espoir de mettre fin à la guerre et aux souffrances de son pays d'origine infligées par le coup d'état. Après la fin de la guerre, Nagase prit sa retraite du service militaire. Elle a ensuite rejoint Erixium en tant que pilote d'avion de ligne, un métier qu'elle a toujours rêvé d'exercer. Le 14 mars 2005, pendant la guerre continentale, elle était copilote du vol RXIUM 701, l'un des deux vols avec divers ingénieurs de Stone Age à bord qui cherchaient à passer à l'ISAF. Eruzea a pris la nouvelle et lança plusieurs chasseurs pour abattre les avions de ligne.
Un chasseur endommagea le vol 701, blessant le commandant de bord et obligeant Nagase à prendre le commandement de l'avion. L'ISAF envoya Mobius One pour protéger les avions de ligne et les mener en sécurité. En raison de complications liées à la pression de la cabine, le vol 701 a dû maintenir une altitude de 6000 pieds, tandis que le vol 702 est resté à 23000 pieds. Mobius One a réussi à abattre tous les combattants éruséens et les deux vols ont atterri en toute sécurité sur un aérodrome de l'ISAF. Tous les passagers et membres d'équipage furent en sécurité et jugés en bonne santé malgré le combat, y compris le capitaine du vol 701 et Nagase. Bien que Nagase manque à la fois de force physique et d'expérience, elle se rattrape par une intuition de vol qui rivalise avec des pilotes vétérans. C'est une réaliste qui donne la priorité aux tactiques les plus rapides et les plus efficaces au cours des missions, mais peut aussi s'avérer aussi froide et brûlante que son nom de code. Elle laisse ses qualités féminines au sol, attrapant souvent ses homologues masculins dans les airs. Et cette version de Kei Nagase a été officiellement déclarée la sœur cadette de Reiko Nagase de la série Ridge Racer. Donc il y a certaines informations qui sont issues de Ace Combat 4 et j'ai choisi de les intégrer à Ace Combat 2 histoire de faire la transition avec les prochaines vidéos et puis ben pour parler directement de tout ce qu'elle a fait aussi et pas y revenir dans d'autres vidéos quoi. Donc voilà pour les personnages de Ace Combat 2. Donc certaines informations je les ai piquées à Horizon Legacy ou à Ace Combat 4 également. Donc j'ai choisi de pas trop parler des personnages de Horizon Legacy car je n'ai pas joué au jeu et je pense qu'on est une minorité à y avoir joué quoi. Étant donné que le jeu est seulement sorti sur Nintendo 3DS et que j'ai pas de Nintendo hein, déjà. Et je pense que je vais attendre que des émulateurs soient sortis afin de faire le let's play de ce jeu là. Étant donné que pour filmer la 3DS ou même la PS Vita c'est un merdier innommable quoi. En gros, il vous faut une carte d'acquisition spéciale pour ces consoles-là qui coûtent à peu près dans les 400€ si je me souviens bien, qui est super dur à trouver et c'est même pas sûr que ça marche. Donc voilà quoi, hein, je vais pas prendre le risque d'acheter une de ces cartes-là. Et donc sinon voilà quoi, donc il reste encore une vidéo à propos de Ace Combat 2 et après on va donc passer à Ace Combat 4 mais j'en vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos de Ace Combat Univers du Strange Real. Allez, je vous dis salut à tous!